solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Pendant que vous étiez inconsciente, j'en ai profité pour vous examiner. Je pourrais pratiquement vous assurer que vous attendez un enfant. Mademoiselle Bouvier, je comprends que dans votre situation, une nouvelle comme celle-là peut être un vrai problème. Mais pensez que la maternité est ce qu'il y a de plus merveilleux qui puisse arriver à une femme. Je ne sais pas qui est le père de cet enfant, mais parlez avec lui. Docteur, s'il vous plaît, ne racontez à personne ce que vous venez de me dire, d'accord? J'espère juste, j'espère que vous comprenez, je ne veux surtout pas que ça se transforme en putain de village. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Je n'ai pas à le raconter à qui que ce soit. Jurez-le-moi. Docteur, jurez-moi sur votre vie. Que vous n'allez rien dire à personne, même pas à votre femme. Jurez-le-moi, je vous en prie. C'est bon. C'est bon, si vraiment ça peut vous calmer, je vous le jure. Dis-moi, Gabino, comment réagit Augusto à l'annulation du contrat? Ben, il a trouvé ça plutôt bien. Ça prouve que lui aussi ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Je m'en réjouis. Je crois qu'il vaut mieux mettre un terme à toute relation entre lui et moi. Au fait, Gabino, tu ne m'as pas dit à qui appartient la maison. Celle qui est à la sortie du village. La maison bleue. Tu te chargeais de l'entretien. Mais je doute qu'elle soit à toi. Je peux savoir pourquoi? Parce que je ne crois pas que tu aies l'argent pour acheter une maison comme celle-là. Si petite soit-elle. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle appartient à Rosendo. Et si c'est le cas, je veux la vendre immédiatement. Non, ce n'était pas la sienne. Mais Rosendo y allait souvent pour retrouver sa maîtresse. Ou je me trompe? Je ne connais pas tous les détails, madame. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur Rosendo m'a chargé de la louer 3 mois. Le propriétaire est étranger. Ça ne servirait à rien que je vous donne son nom. Oui. Ça ne sert absolument à rien. C'est tout, tu peux te retirer. Excusez-moi, madame. Je peux entrer pour faire le ménage ici? Où est passé mon fils? Damian? Qui d'autre? Il me semble qu'il est sorti, mais je n'en suis pas sûre. Augusto, Dolores m'a dit que tu étais là. Je te cherchais. Il faut que je te parle. Je veux savoir quand tu vas partir de chez moi. Pardon? Mais la vérité, écoute, c'est que... je te remercie beaucoup de la manière dont tu t'es occupé des affaires de ta sœur. Stéphania. Mais en fait, rien n'a changé. J'attends toujours que tu partes de cette maison. Ta sœur Stéphania n'est plus parmi nous. Tu ne peux pas continuer à vivre au domaine. Bien sûr, oui. Bien, c'est bien que tu comprennes. Et toi, oui. Tu voulais quoi? Non, rien. Rien. Ça n'a aucune importance, ça n'a pas de sens. Bon, alors je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je vais rentrer de bonne heure à la maison. J'ai besoin d'être avec Elisa. Je ne me suis pas occupé d'elle et elle a besoin que je la soutienne. Oui. C'est ma seule fille. Oui. C'est la seule chose qui me reste. Je sais. Lolita, je viens voir ma fille, elle. Ah, madame, elle vient de partir avec Paloma au village. Non, ne me dis pas qu'elle si, est sortie. Elle est sortie.
Comment ça, ma fille n'est pas là, alors que j'ai besoin de lui parler? Monsieur, elle est partie avec Paloma jouer un moment. Je vais la chercher. Bonne journée, Madame Blanca. Très bonne journée. Augusto, je suis contente que tu ne sois plus cloîtrée tout seule dans ton bureau. Mais surtout, que tu veuilles être avec ta fille pour lui faire des câlins. C'est vrai que j'ai été quelque peu égoïste avec toute cette douleur. Je n'aurais jamais pensé qu'Elisa pouvait souffrir des erreurs que sa mère avait commises. Augusto, pour l'amour de Dieu, Stéphanie a toujours été une femme intègre. Jamais elle n'a... Je ne vous demande pas votre opinion. Je vais chercher ma fille. Ah non, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-la jouer encore un moment, oui? Elle en a besoin. C'est bon. Je serai dans mon bureau. Oui, monsieur. Préviens-moi quand il sera là. Oui, monsieur. Salut. Tu devrais plutôt dire bonsoir. Monsieur Lucio t'a cherché toute la matinée. Et ça? Les affaires de monsieur Rosendo, qu'on a trouvées dans sa voiture. Et comme les papiers étaient au nom de l'entreprise, ils les ont apportés ici. Je les enverrai plus tard à madame Alfonsina. Non, non, non. Du calme. Je vais lui porter personnellement. Deux billets d'avion. Rosendo Arango. Et Carmina Bouvier. Carmina t'énerve autant. Je ne l'aime pas. Elle passe son temps à me disputer et à me dire des choses moches. Je ne veux pas qu'elle vive avec nous. Ni avec papa, ni avec moi. Paloma, dis à ta grand-mère qu'elle m'aide. Qu'elle m'aide pour la faire partir. Qu'elle fasse partir ma tante Carmina et revenir ma maman. Je ne sais pas si ma grand-mère peut faire ça, tu sais. Ma maman me manque. Je veux la voir. Je veux être avec elle. Je t'ai déjà dit que je n'ai jamais connu ni ma maman, ni même mon papa. Je crois que Dieu est très bon avec toi. Parce que toi, tu as connu la tienne. Et tu as encore ton papa. Oui, mais toi, tu as ta maman et le père loupé. Toi aussi, tu as mon oncle loupé. Et il est très bon avec toi. Oui, mais ce n'est pas la même chose parce qu'il n'est rien pour moi. Moi, je n'ai pas de famille. Ah, oui, c'est vrai. Alors, tu dois être beaucoup plus triste que moi, n'est-ce pas? Bah tant que ça, tu sais. Je n'ai pas de famille, mais au moins j'ai des amis. Toi, Elisa, et maintenant aussi Paloma. Salut. Salut. Damien! Pourquoi m'as-tu désobéi? Je t'ai clairement prévenu que tu ne devais pas voir cette gamine. Je t'ai déjà dit, Elisa est mon amie, maman. Et moi, je t'ai déjà dit que tu ne peux pas être amie avec la fille de celle qui nous a enlevé ton père. Ma maman n'a tué personne. Ta mère est coupable de la mort de mon mari Rosendo. Ma maman est bonne, vous êtes une menteuse. Tu te tais. Ne lui criez pas dessus, oh, madame. Toi, ne t'en mêle pas, espèce de crève-la-faim. Maman, s'il te plaît, ce sont mes amis. Non, tu es de pire en pire. Alors maintenant, tu es aussi amie avec la petite fille de la guérisseuse. On va régler ça à la maison, tu vas voir. Allez. Allez, on y va! Allez! Ne pleure pas, Elisa. Ne fais pas attention à elle. Cette femme est folle. Tout le monde dit que maman est mauvaise. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai!
Elissa, c'est bien que tu sois là. Je voulais te demander pardon. Je pensais que c'était ma fille. Qu'est-ce que tu veux ? Augusto, quand je suis venue te voir à la serre, c'était... parce que je voulais te dire quelque chose et... en fait, je n'ai pas osé parce que... bon, comme tu m'as chassée d'un... Non, je ne t'ai pas chassée. Tu as décidé de partir. Et c'est ce que tu as de mieux à faire. S'il te plaît, non. Ne me fais pas partir. S'il te plaît, j'ai besoin que tu comprennes que je t'aime. J'ai besoin... Ah, je t'en prie, ne recommence pas avec ça. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes ma chance. Je peux essayer, je te le demande. S'il te plaît. Je veux que tu te taises, Carmina. Ça ne me plaît pas que tu parles de ça. Ce n'est absolument pas prudent. Si avant, ce n'était ni l'endroit, ni le moment, encore moins maintenant. Et après tout ce qui s'est passé... C'est justement pour ça. Parce que j'ai besoin de te démontrer combien je t'aime, et toi, tu as besoin de moi pour effacer le souvenir de Stéphania. Ah, s'il te plaît, je ne veux rien entendre, tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Moi, je peux te donner ce que ma sœur ne t'a jamais donné, tu entends ? Te donner des enfants à toi. De quoi est-ce que tu parles ? Elissa. Elissa n'est pas ta fille, j'en suis sûre. Elissa Augusto est la fille de Stéphania et Rosendo. Tu dis des mensonges. Elissa est ma fille et je suis son père. Tu es si sûre. Augusto, est-ce que... tu sais exactement depuis quand ma sœur a cette histoire avec Rosendo Arango? Tu le sais, toi? Pas avec certitude. Mais moi, j'ai su en tirer les conclusions. Surtout en ce qui concerne Elissa. Je ne veux pas continuer à t'écouter, Carmina. Eh bien, lorsque j'ai mentionné à Stéphania que je trouvais ça bizarre, que je ne comprenais pas pourquoi Elissa n'avait rien de toi, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de raison qu'elle te ressemble. Tais-toi ! Il y a des vérités qui font trop mal, n'est-ce pas ? Mais si tu veux en être sûr, pourquoi tu ne vas pas à Mérida avec Elissa ? Pourquoi tu ne vas pas faire un test de paternité ? Ça, jamais ! Tu préfères ne pas savoir, n'est-ce pas ? Je ne te le reproche pas. Dans le fond, tu sais que c'est la vérité. Elissa n'est pas ta fille. Je ne veux plus te voir, Carmina. J'ai besoin que demain... Lâche-moi, s'il te plaît. De bonheur. Non, Augusto. Avant que je me lève. Non, s'il te plaît. Non. Tu sois parti de chez moi. Augusto. Et inutile de te dire que tu es puni. Tu vas immédiatement dans ta chambre et tu n'en sortiras que quand je te le dirai. Ce n'est pas juste, maman. Ce n'est pas juste que tu ne me laisses pas voir Elissa. Mon oncle Loupé m'a dit que... Je n'en ai rien à faire de ce que ton oncle Loupé t'a dit. Ce qui compte, c'est ce que moi je dis. Il va falloir que tu acceptes une fois pour toutes que cette gamine est la fille de la femme coupable du fait que ton père nous ait quittés. Tu peux comprendre ça ? C'est pas vrai. C'est de ta faute à toi. Qu'est-ce que tu oses me dire ? La vérité, maman, c'est que papa est parti à cause de toi. Parce que tu te fâchais tout le temps. Tu t'énervais pour n'importe quoi. Papa est parti parce qu'il n'était pas heureux avec toi.
soir. Tu sais ce que m'a dit mon amie Paloma? Que Dieu est bon avec moi. Parce que toi et moi, on est ensemble. Va-t'en. Non, papa. Je veux être avec toi. Fiche le camp d'ici! Comment ça a été avec Paloma? Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Pourquoi tu pleures, ma belle? Mon papa ne m'aime pas. Ne dis pas de bêtises. Comment peux-tu croire qu'il ne t'aime pas? Il m'a dit lui-même qu'il voulait te voir. Et être avec toi et... Il m'a chassée de son bureau, Lolita. Il m'a dit des choses horribles. Non, il ne m'aime pas. Viens. Viens, ma chérie. Viens, viens. Dis-moi, Tonia. Oui? Tu peux me rendre un service? Ce que tu voudras. Tu peux apporter cette lettre à Elisa? À Elisa? Oui, je ne veux pas qu'elle pense que je suis d'accord avec ce que m'a dit ma mère. Ah non, enfin, Damian. Si je porte cette lettre de ta part à la petite Elisa, on va me renvoyer. On ne va pas te voir. En plus, tu m'as dit que tu ferais exactement tout ce que je voudrais. Petit maître chanteur. Bon, ça va, je vais la lui porter. Et que Dieu me vienne en aide. Mais je ne vais pas la lui porter aujourd'hui, hein. Pas avant demain. Quand j'irai faire les courses au marché. Ça te va? Ah ouais, ok. Si tu es là pour me renvoyer, tu peux économiser tous tes mots parce que je pars. Hmm? Il faut que... je te parle. Bonjour. Bonjour. Bonjour vous deux, voilà, je suis prête. Allons-y. Oui. Et où allez-vous? Eh bien, nous allons à la mairie, ma petite Elisa. Tu sais, ton père et moi, on va se marier. C'est vrai, papa? C'est vrai que tu vas te marier avec tante Carmina? Oui, c'est vrai. Tu sais, elle reviendra quand ça lui passera, hein? Lolita? Lolita? Pourquoi tu ne te mets pas plutôt à nettoyer, ma mignonne, hein? Tu n'aurais rien dû dire à la petite. Oh, de toute façon, elle allait l'apprendre. Tu pensais attendre longtemps avant de lui dire? Non, je ne sais pas. Mais pourquoi te mettre dans cet état? Mon amour, on savait que ça allait arriver. Mais si tu préfères renoncer, ça ne fait rien. Tu n'as pas à respecter ta parole non plus. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Allons-y maintenant. Mon Dieu.
se passe-t-il dans cette maison ? Bégonia, dis-moi, est-ce que tu connais bien cette Carmina Bouvier ? Pas vraiment. Mais c'est une femme vraiment bizarre. Elle ne s'entend avec personne dans le village. Elle a des airs de grandeur. Elle n'a jamais accepté de vivre ici. De toute façon, pour elle, ce village est un patelin. Et tu sais si elle a une relation quelconque avec un homme du village ? Oh non, j'en doute. Je te dis que cette femme se prend pour quelqu'un d'extrêmement important. Et tu sais, à mon avis, elle pense qu'aucun homme de la région n'est assez bien pour elle. Pourquoi, tu sais quelque chose ? Moi ? Non, rien, rien. Parce que si tu veux que je mène ma petite enquête, ce serait avec plaisir. Non, c'est bien comme ça, merci. Et pourquoi Carmina Bouvier t'intéresse autant, hein ? Voyons, simple curiosité, quoi. L'autre jour, je l'ai rencontrée par hasard dans le village. Et bon, je me suis mis à penser qu'après la mort de sa sœur, elle a dû se retrouver assez vulnérable, c'est tout.